Titre, l'aventure numérique de Léo et Mia. Un jour ensoleillé, dans une petite ville, deux amis inséparables, Léo et Mia, décidèrent de créer une vidéo pour leur projet scolaire. Leur professeur leur avait demandé de parler de ce qu'est Internet, mais ils voulaient aussi aborder un sujet important, l'autorisation parentale pour les enfants de leur âge. La mission commence. En se réunissant chez Léo, ils prirent un grand carton et commencèrent à dessiner un plan. « Nous allons faire une vidéo amusante et informative !» s'exclama Léo. Mia, toujours pleine d'idées, proposa d'inclure une histoire captivante. « Et si nous racontions l'histoire d'un super-héros qui doit naviguer sur Internet en toute sécurité » suggéra-t-elle. Le super-héros numérique. Ils décidèrent que leur super-héros s'appellerait « Cyberguardien ». Dans leur vidéo, Cyberguardien serait un jeune garçon qui découvre un monde fascinant sur Internet, mais qui doit aussi faire face à des dangers. Ensemble, Léo et Mia imaginèrent des scènes où Cyberguardien rencontrerait des personnages comme Monsieur Virus, qui essaierait de lui jouer des tours, et Madame Phishing, qui tenterait de le tromper pour obtenir ses informations personnelles. Le message important. Au fur et à mesure que l'histoire avançait, Cyberguardien se rendit compte qu'il avait besoin de l'aide de ses parents pour naviguer en toute sécurité. C'est là que l'autorisation parentale entre en jeu. Expliqua Mia à Léo. Ils décidèrent d'inclure une scène où Cyberguardien demande à ses parents de l'aider à choisir des sites sûrs et à comprendre les règles d'Internet. Les enregistrements. Après avoir terminé leur scénario, ils commencèrent à enregistrer leurs vidéos. Léo jouait le rôle de Cyberguardien, avec une cape faite d'une vieille serviette, tandis que Mia incarnait les différents personnages. Ils utilisaient des jouets et des dessins pour illustrer les dangers d'Internet et les bonnes pratiques. La grande révélation. Le moment le plus captivant de leur vidéo fut lorsque Cyberguardien réussit à déjouer les plans de Monsieur Virus grâce au conseil de ses parents. Merci, maman et papa. Grâce à vous, je sais comment rester en sécurité sur Internet, s'exclama-t-il en souriant. La projection en classe. Le jour de la projection, toute la classe était impatiente de voir leur vidéo. Lorsque Léo et Mia présentèrent leur création, les rires fusèrent et les enfants étaient captivés par l'histoire de Cyberguardien. À la fin, ils posèrent des questions sur Internet et sur l'importance de parler à leurs parents. Le message final. Léo et Mia conclurent leur vidéo avec un message simple mais puissant. Internet peut être un endroit merveilleux, mais il est important de rester en sécurité et de toujours demander l'aide de nos parents. Les applaudissements résonnèrent dans la salle, et leur professeur, ému, leur dit « Vous avez fait un excellent travail. Vous avez non seulement informé vos camarades, mais vous avez aussi transmis un message essentiel. » Et c'est ainsi que Léo et Mia, avec leur super-héros Cyberguardien, avaient non seulement créé une vidéo, mais aussi sensibilisé leurs amis à l'importance de la sécurité sur Internet. Une vraie aventure numérique.